السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله نكمل لوتيود ديال دي سي ان اس وورد بريس، وبالضبط نخدمو في البارتي كي كونسيرن دومين، سافيدير كومون اون بو كريي دي مينو بيرسوناليزي دو سيت فاسون. دونك جي سوي ا لانتيريور دو مون سيت كي هيبرجي à distance. Donc, vous pouvez revenir la séance, les deux séances précédentes pour voir comment on peut héberger gratuitement un site web en ligne. Alors, pour faire cela, pour changer, bien sûr, l'apparence et les menus de notre site web, donc on doit normalement se connecter à la partie administration, ça veut dire notre back office. Tu dois taper admin et valider. Une fois que c'est fait, donc le site me demande sur l'identifiant et le mot de passe que j'ai créé au moment de l'inscription et je vais me connecter à la partie administration du site. Et voilà donc le tableau de bord de mon WordPress. Donc je peux ouvrir deux vues, donc la vue tableau de bord et la vue site. Donc je peux aller sur le site, cliquer sur pour avoir un nouvel onglet, et comme ça je vais avoir le back office et le front office. Donc l'autre fois on a vu les références entre les articles et les pages. La séance d'avant on a vu comment on peut changer l'apparence et personnaliser les items. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, une fois qu'on est connecté depuis le front office, on a le bouton personnaliser. Alors ce bouton va nous permettre de faire des modifications rapidement au niveau du front office. Ça veut dire que ça travaille de la même façon que le Dreamweaver par exemple. C'est-à-dire what you see is what you get. C'est-à-dire ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir. Alors là, il me donne une rubrique que je peux personnaliser. Je peux toucher pas mal de choses, donc la thématique les couleurs de mon site, donc je peux les changer à partir de là. Comme je peux toucher pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va changer le menu du site web. Alors déjà, sur mon template, j'avais déjà créé un menu qui s'appelle Top Menu. Je vais le supprimer. Voilà. Donc automatiquement, il va me remettre le menu par défaut du site web, c'est-à-dire le menu qui est en rapport avec le thème. Donc il va chercher automatiquement les pages que j'ai, il va chercher automatiquement les pages de mon site web, et il va les ramener ici. Alors nous, ce qu'on va faire, on va créer notre propre menu. Donc, à partir de front office, je clique ici, créer un nouveau menu, donc vous donnez un nom, par exemple, le menu haut, d'accord, que je vais nommer comme un menu principal. Voilà. Donc, automatiquement, le menu standard disparaît. Et je peux maintenant travailler sur, mon propre menu. Donc, je peux demander à ce que les pages s'ajoutent automatiquement. Sinon, je vais ajouter mes propres éléments. Et je clique ici. Alors, il me propose les pages que j'ai déjà sur le site, c'est-à-dire les pages que j'ai ici. D'accord? Comme je peux ajouter de nouvelles pages. Alors, pour faire simple, alors je vais garder accueil. Ok, je vais mettre spécial
un peu plus haut, et CMS aussi. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais cocher sur OK. Voilà. Et spécial. CMS. Produit. Et je vais ajouter une autre page. Je vais appeler projet. Sachant que cette page n'existe pas parmi les pages que j'ai sur le site. Eh bien, je vais demander à ajouter une nouvelle page qui n'existe pas dans le contenu. Alors, automatiquement, si vous avez fait ça, OK, alors vous pouvez voir aperçu en nouveau sur l'écran, écran PC. Vous pouvez voir l'aperçu en mode tablette. Comme mode tablette, on va avoir l'air comme ça. Et en mode mobile, c'est-à-dire sur un téléphone, voilà, on va avoir l'air. D'accord, donc je vais publier. Voilà, pour voir l'aperçu de mon menu. Voilà, arcade, spécial, séquence. Alors, ce que je veux en venir, c'est que les commandes CMS et produits, je veux les insérer à l'intérieur du spécial. C'est-à-dire, je vais créer une sous-menu spécial. Donc, à la fin, j'aurai accueil spécial, projet. À l'intérieur du spécial, je vais mettre ces deux lampes, CMS et produit. Alors, comment je peux procéder ici? Donc, c'est très facile. Donc, il faut juste ajouter CMS et le déplacer juste un petit peu, créer une petite marge ici. Vous voyez là, les pointillés. Vous lâchez de cette façon. Et faites pareil pour la page produit. Alors voilà ce que ça va avoir comme là. Je vais avoir les sous-menus dans la rubrique spéciale. D'accord, je vais publier. Voilà. CMS. On va aller chercher la page. Et la page produit. Voilà. Alors maintenant, pour la page projet, sachant que cette page n'a aucun contenu, ça n'empêche parce que lorsque vous allez cliquer sur la page, vous pouvez bien sûr la changer, mais pas ici. Vous devez normalement la changer au niveau de la page tableau de bord, votre tableau de bord, votre place. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors je vais essayer d'actualiser cette page. Voilà, le projet. Alors je vais essayer de modifier cette page. Alors bien sûr, comme on a vu au préalable, on peut saisir du texte normal. D'accord. Comme on peut ajouter de nouveaux blocs. Et là, WordPress vous propose pas mal de blocs prédéfinis. D'accord. Des images, des enfants, des widgets. D'accord. Vous pouvez relier ça avec des fils, des news. Alors nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va toucher un peu du contenu embarqué. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple choisir des pages Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, etc. Quand vous pouvez laisser un contenu embarqué, c'est-à-dire c'est à vous de faire un choix de contenu embarqué, ce que vous souhaitez comme contenu. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Alors là, il vous demande à mettre l'URL, votre adresse, contenu que vous souhaitez mettre ici. Alors pour ma part, peut-être je vais choisir une page depuis le YouTube.
pas, par exemple, là, je vais mettre... Ah non, ceci. D'accord. Il suffit de prendre le lien de partage, celui-là, et de l'insérer à l'intérieur de l'URL embarqué. Voilà, automatiquement, je vais vous donner le lecteur avec toutes les commandes, les options que vous pouvez faire et appliquer sur la vidéo. Quand ça n'empêche à ce que vous mettez bien sûr votre propre légende. Ainsi de suite, vous pouvez ajouter d'autres blocs pour la suite à vos projets, puisque là on n'a pas projet. C'est juste un exemple. Alors je vais mettre à jour la page et je vais faire un test au niveau du front office, c'est-à-dire l'interface client. Je clique sur projet et voilà, donc je vais faire une texture de ma vidéo sur la légende qu'on a choisie. Si vous êtes connecté en tant que admin, donc vous aurez la même figure à personnaliser, à revenir sur votre report. Et bien sûr, vous pouvez éditer les légendes que vous avez faites. Alors sur ça, je vous remercie. Donc, j'espère que vous avez une bonne pratique. Et envoyez-moi bien sûr les résultats de vos réalisations. Merci. Merci à vous.